Le monde entier connaît la blonde la plus sulfureuse du cinéma. Do you want peace? Elle est l'une des stars de cinéma les plus sexy de tous les temps. Et maintenant, cette tornade que l'on nomme Sharon Stone atterrit en Israël pour promouvoir la position de la femme et de la paix. We cannot say that we are making a decision of peace for our children and then kill someone in the name of our children. Son 48e anniversaire. Non, ce n'est pas une erreur. Sharon Stone le fait ici avec l'équipe du centre Pérez pour la paix. And I called my publicist, who's this great Jewish woman who is like always going, she goes, please, they invented security. They have the Mossad. Sharon et Shimon s'amusent bien ensemble. Le couple royal s'échange des blagues, embrasse des enfants, ils font même de la gym et du football ensemble. Tout cela pour la paix entre les deux peuples et pour la joie des photographes. De là, il continue vers la prochaine étape, l'hôpital Tel HaShomer, près de Tel Aviv. Là-bas, Sharon Stone continue de présenter son image d'ambassadrice de paix et d'espoir. Et malgré le fait que la visite sert à promouvoir la paix, elle peut aussi servir de promotion tout court. Like 14 ans après la fameuse scène de l'interrogatoire. C'est ainsi que Basic Instinct 2 sortira à la fin du mois sur grand écran. Mais au-delà de son prétendu attachement à la paix, Sharon Stone sait trouver les mots qu'attendent les journalistes. Well, I usually like to start out by saying I'm naked. Because people just are sitting there going like, I don't care what she's saying. I don't care what she's saying. I just want to know, she's naked. Does she get naked in that movie? She naked, nude, naked. Do I see her boobies? I don't care what she's saying. I don't care. Is she naked? So let's just get through to that. Yes. Yeah.